Bon, départ de la Desert Ultra en Namibie dans à peu près 10 minutes. Course assez extrême, hein, 250 km dans le désert de Namibie, dans les réserves naturelles, avec uniquement 75 coureurs qui ont réussi à finir la course jusqu'à présent. Allez, déjà 7 km, cette première étape qui en fait 50. Et là, il est 8h du matin. Déjà, il fait chaud, quoi. Et ce qui est top sur ce genre de course, c'est comme on est que 28 coureurs là. Là, très rapidement, on est déjà seul. Ça se distance en fait. Y'a personne derrière moi là. Et devant, il y a un Anglais. Bon, là, je sors d'un checkpoint. Et en fait, j'ai vomi. J'ai fait que vomir pendant 2 minutes. J'ai pas les electrolytes. J'ai déjà du matin. La chaleur, il fait une chaleur. C'est tout fond. L'union fait la force. Après 50 km. My good friend Shane, we did the fire and ice together. The green to green. Green to green. Yeah. And I'm very glad to see you in the race. How old do you manage that today? How did I go? Yeah, I did well. The heat at the end was hard. And Gary? Yes. Where do you come from, Gary? From Yorkshire, England. Okay. You did an amazing race today. Yeah, it's gone really, really well. I've had you to chase for the last 30 kilometres, I think. You've always been in sight. And then I got past you at the feed station. I was healing the last checkpoint. I went. Martin. J'ai bien vomi à la dernière étape et en fait ça m'a fait du bien de vomir finalement, mais j'ai tout vomi. Hein. Image du camp. Bon, là on est en début de soirée, je suis arrivé du coup maintenant il y a bien 5-6 heures, je suis encore très fatigué. On va pas se mentir, hein. C'est à dire que la chaleur ça pompe toute l'énergie. Il y a eu des pointes à 48 degrés. Et 48 degrés, moi j'ai jamais vu ça, quoi. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait une insolation. Et voilà. Et j'ai fait une insolation, c'est là où j'ai vomi du coup. Le fait d'avoir vomi après, ça allait mieux. J'ai pu finir plutôt bien en courant. Je suis un bon chrono, hein. J'ai fini 5e de l'étape, je crois, sur les 28. Mais vraiment fatigué, il faut vraiment que je gère ma course là. Là et j'ai pas mal d'ampoules, j'ai 6 ampoules. J'ai pissé du sang en arrivant. J'ai pissé tout rouge. Petit matin, séance réparation d'ampoule avec Manu, l'autre français. Un petit mot, Manu. Ouais. Bon, Manu, 61 ans. Hein, faut se laver les pieds. On va faire ça comme il faut ce soir. Répare ici. Ouais, j'ai eu 6 ampoules hier. Donc voilà, la déshydratation, les ampoules, le vomi, enfin voilà, c'était une bonne journée. C'est mon modèle, Manu, à 61 ans, on continue à faire ça. Bon, alors, petit matin là, c'est bon, j'ai soigné les ampoules comme j'ai pu, les guêtres sont mises, donc on a un peu l'air de schtroumpf. Mais avec le sable, c'est nécessaire. Allez, départ de l'étape 2. J'ai 1 km, on passe devant un petit village. Je marche un peu parce que en fait les ravitaillements sont espacés et si je veux préserver mon eau, il faut pas trop que je me fatigue parce qu'il fait super chaud
Et là, si on est, si on n'a plus d'eau, c'est la fin, quoi. Voilà. Fin de course. Et c'est une course qui est très dure, hein, faut savoir que depuis sa création, il n'y a que 75 personnes qui ont réussi à la finir. Et il y a un an, sur 45 coureurs, il y a eu, par exemple, juste 10 finishers, quoi. J'étais en train de complètement cramer là des bras. Après, je me suis mis à des manches. C'est les manches que j'ai normalement quand je cours la nuit. Arrivé au checkpoint du 40e kilomètre sur les 50. Oh, tiens, on arrive. Allez, arrivée d'étape, 50 km. Un sable bien mou. Il y avait du vent là aujourd'hui, donc ça faisait un effet moins chaud qu'hier. Brother mate, you want some water? It's okay. You're good, yeah? Yeah, I'm good. Sit down? Yeah, I will sit down. Go and lie down. Whoa! Good effort, eh? Yeah. It was better today than yesterday. There was wind today. Yeah, it's still hot towards the end. Yeah, absolutely. You arrived first? Yeah, we should. Yeah. I'm happy to arrive. Good. And now rest. No, we have rest. That's right. Ça pèse lourd, hein. Une batterie complète, ça pèse lourd. Mais il faut bien ça. 4. Hop, c'est parti. Donc j'ai une petite compresse imprégnée d'alcool, mercurochrome, petite seringue, et voilà, je vais percer les ampoules, je vais désinfecter tout ça. Je vais me refaire à neuf pour demain matin. Regardons l'angle de Manu. C'est le traitement matinal. Traitement matinal de Manu. Voilà. voilà, bah moi aussi, hein. Pareil, hein. On répare les ampoules un peu partout là. Et parce que 42 bornes à faire aujourd'hui. À 45 45 45. Bon, 45 aujourd'hui. Petite vue du camp. Troisième étape. Bon, bien arrivé, troisième étape, 42 bornes, un marathon. Il a fait 47 degrés aujourd'hui, 47. C'est ce que me disent le directeur. C'est horrible quoi, en fait il y a
47 degrés, j'ai jamais eu à gérer ça jusqu'à présent. Mais bon, bien content d'être arrivé en tout cas. La tête de course. Yeah. I couldn't do more. I couldn't do more. The... And you? Well done. You? I hurt my calf, yeah, after the last checkpoint, and I don't think I can run anymore. So... Yeah. Bon, allez, pour me récompenser, on est bien français, petit bâton de berger, à chaque course. Vue du camp au matin du quatrième jour. Activité du matin, là, c'est le soignage des ampoules. C'est par celui-là. Alors, donc voilà quoi. Joue à l'ultra fond. Namibia and my friends are from France. And I'm in Namibia. Maybe you can see me next year, but I'm still here. I will come for you. Tell everybody there at home they can have a nice day. I'm blessed with you, and you are the good people from French, and I love you. Everyone there at home, please, God bless us. Everyone, God bless us. Bon, alors là, c'est la blessure de guerre. Donc, le petit rafiste là, c'est l'essuie-glace, en fait, ça tire sur le côté là. Et voilà. Donc, là, je vais prendre un petit doliprane pour. Petit doliprane pour gérer la course aujourd'hui. J'ai un des bâtons qui vient de sauter la fenêtre. Donc il ne me reste plus qu'un pour le reste de la course. Donc encore 17 bornes à faire aujourd'hui. Et 92 ou 93 demain. J'ai plus d'eau. Réserve vide d'eau. Encore 2 km avant le checkpoint. J'arrive au ravitaillement. Il me faut de l'eau. Il faut de l'eau. So at least 4 to 6 hours. Okay, so your base camp next. Alright? Thank you so much. Even without the water, doing 2Ks. Hello! Hi! Allez, les vainqueurs, belle étape! It was 51 degrees out there. How do you feel? Fantastic.
de soleil et ça aide à tenir. Hein. Les journées sont très difficiles, mais cette beauté de la nature aide à tenir. Vue du campement ce soir. Bon là il est 3h15 du matin, départ dans 45 minutes pour la dernière étape de 93 km qui va être très très dure et très longue pour beaucoup d'entre nous, dont moi. Voilà. Donc là j'ai mon petit déjeuner là, léger, des petits crackers, je vais me faire un petit café. Là, pour affronter cette dernière et ultime étape. Dernière étape! Ça fait déjà 15 km que je suis parti, 2 heures. Et là, il fait bon quoi. Donc j'avance bien sur les jambes. Mais après, à nouveau, il va faire très très chaud cet après-midi. Donc tant que je peux avancer ce matin, c'est ce que je fais quoi. 93 km avant l'arrivée. Énorme là-haut sur les falaises. Wow. Il y a des singes qui montent. Tout un groupe de singes. Ça c'est la magie du trail. Voir ces animaux en pleine nature comme ça, c'est incroyable. Allez, ça fait déjà 30 km plus de 63. Allez, ça fait 41 km déjà. Encore 52. Il commence à faire très chaud là. Très très chaud. Et là, le soleil se réverbère sur les pierres. Presque 50 km, c'est la fournaise. Il faut gérer la course avec la marche et voir comment on économise l'eau. Ces paysages arides sont vraiment d'une beauté époustouflante quoi. Je me sens vraiment très privilégié quand même de pouvoir courir en toute liberté, tout seul dans ces immenses espaces. C'est effectivement
juste incroyable. C'est tellement différent de tous les bidochons qui viennent en safari là. La catastrophe climatisée. Là c'est une aventure personnelle, humaine, intérieure qui. Allez, sur aucune comparaison possible. Là j'ai un endroit qui commence à lâcher. J'ai claqué. Faut tenir. C'est encore 31 km. Ça fait 81 km, il en reste 12. Ça sera les 93 de l'étape et 250 de la course. Le canyon avant la fin. Finisher. I am with Max, an Italian guy. He arrived second today. Yeah. And this morning I fight with a group of monkeys. Yeah. I lost one of my tripod, like Star Wars. Like JD. Incredible, Max. Maybe they think it was alpha male. You know? Maybe. Great job, Max. This one is a meat. It's a meat? Yeah, from the fire. This one is a meatball, also from the meat. This is an eggs. Eggs, yes. Yeah, let's take them. This one is an eggs. And this one is a chicken. Yes, I am doing that. Okay, and this one? This one is a red meat. Yeah. And then this one is also yes, the. Hello. Okay. Okay, you know that also. And this one is a meat for the. Okay. Okay. And this one is also meatball from that meat. Okay. Thank you. This one is the chief. Donc c'est Petrus qui a préparé tout ça là. Yeah. Ça part. Thank you. Appreciate it. Bon bah se nourrir et puis aérer les pieds. Ah ils ont bien travaillé pendant 5 jours là. Je crois que je suis arrivé, c'est le cap de l'étape. D'accord, il y a une course incroyable. C'est-à-dire 93 km. 250. Les températures qui environnent les 50 degrés en journée. C'est jamais vu. Jamais vu. C'était très dur. Très heureux d'être arrivé du coup. Très heureux du défi relevé. J'ai beaucoup de gratitude là quand même pour tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu apprendre. C'est des choses que j'ai appris mais je sais pas encore quoi en fait. Ça infuse, ça c'est progressif. Juste heureux du devoir accompli, heureux de
de l'effort surmonté, heureux de la beauté des paysages, de la nature, heureux des gens rencontrés.